Les semaines qui précèdent Noël, c'est toujours une période stressante pour Henri, ostréiculteur à Paimpol. C'est notre chiffre d'affaires de l'année en fait. On joue tout là-dessus, savoir si on va bien vendre, si on va tout vendre. Le vol, c'est un stress supplémentaire. Si on est stressé pendant 15 jours, vivement le 2 janvier. 15 jours où les ostréiculteurs sont sur le qui-vive pour ne pas se faire voler leurs marchandises. Les tonnes d'huîtres récoltées sont stockées dans des dépôts surveillés de très près. On essaie de se protéger au maximum. La gendarmerie qui renforce les patrouilles, la brigade nautique de gendarmerie, la même chose. Nous-mêmes, personnellement, on se protège à travers des systèmes, par exemple, la vidéosurveillance. Certains vont même jusqu'à placer des mouchards dans leur poche d'huître. Ils sont alertés si elles sont déplacées. Il y a des pêcheurs qui l'ont pratiqué sur des casiers, des pêcheurs qui étaient en permanence volés, et grâce à cela, ils ont pu arrêter les voleurs. Ils ont suivi le casier qui se déplaçait dans les baies. Là. Et les gendarmes sont intervenus, ils ont cueilli des voleurs. Une sécurité efficace mais trop coûteuse, selon Henri. L'ostréiculteur touche du bois. En 40 ans de métier, il n'a jamais été volé.